Les abeilles connaissent des taux de mortalité en augmentation spectaculaire. Leur disparition serait catastrophique, car le travail de pollinisation permet au tiers de la production alimentaire mondiale d'exister. Coupable, les pesticides. En mars dernier, l'Assemblée nationale votait l'interdiction, à partir de 2016, de certains produits phytosanitaires en adoptant l'amendement des socialistes Gérard Bapt et Delphine Bateau, malgré l'avis de leur propre gouvernement et de la ministre du Greenwashing, Ségolène Royal. Le combat se poursuit donc maintenant au Sénat. Et j'ai donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc le docteur Jean-Marc Bonmatin, membre de la Task Force internationale sur les produits systémiques, chercheur au Centre national de la recherche scientifique, donc le CNRS. Denis Sapen, qui est apiculteur, membre de la Fédération française des apiculteurs professionnels. Monsieur Franck Altru, vice-président de l'organisation non gouvernementale Terre d'Afrique. Les néonicotinoïdes sont des insecticides, donc de par leur nature, ils tuent les insectes. Et ces insecticides néonicotinoïdes vont contaminer en général le sol, les plantes, l'eau, l'air. Donc ils vont se retrouver dans tous les compartiments de l'environnement, de sorte que leurs effets vont pouvoir s'exprimer sur toutes les espèces vivantes qui sont dans ces compartiments, l'homme y compris. Il faut savoir que dès les années 91, il y a eu des autorisations en France et que c'est la France qui a été pionnière au niveau de lanceurs d'alerte par rapport à cette problématique. Des interdictions ont été prises beaucoup plus vite dans les autres pays qu'en France, alors qu'en fait nous étions les pionniers. Certains voudraient nous mettre en opposition et aujourd'hui nous sommes vraiment dans cette dynamique de pouvoir justement se mettre en complémentarité. Des nouvelles techniques ont été mises en place, ce qu'on appelait l'enrobage des semences à un moment donné, qui évitait justement l'aspect pulvérisation sur les plantes et qui pouvait vraiment, c'était l'ennemi numéro un sur les abeilles. On s'aperçoit par la suite que ces produits homologués poseraient problème. Ce qui a été dit de très fort par celui qui représentait les agriculteurs à cette table ronde, c'est que la responsabilité, c'est celle des pouvoirs publics qui prennent les décisions d'autorisation. C'est le problème des pouvoirs publics de prendre la bonne décision et donc d'interdire les néonicotinoïdes. Et je crois qu'un grand nombre de parlementaires qui n'étaient pas forcément au fait de ces connaissances et de ce sujet sont en train de se rendre compte de l'ampleur du problème. Et donc je suis assez confiante sur le fait, malgré l'opposition du gouvernement, qu'on arrache une confirmation de cette décision par le Parlement.